Lettre 159, Solima Ouzbek à Paris. Je me plains, magnifique Seigneur, et je te plains. Jamais serviteur fidèle n'est descendu dans l'affreux désespoir où je suis. Voici tes malheurs et les miens. Je ne t'en écris qu'en tremblant. Je jure par tous les prophètes du ciel que depuis que tu m'as confié tes femmes, j'ai veillé nuit et jour sur elles. Que je n'ai jamais suspendu un moment le cours de mes inquiétudes. J'ai commencé mon ministère par les châtiments, et je les ai suspendus sans sortir de mon austérité naturelle. Mais que dis-je? Pourquoi te vanter ici une fidélité qui t'a été inutile? Oublie tous mes services passés, regarde-moi comme un traître et punis-moi de tous les crimes que je n'ai pu empêcher. Roxane, la superbe Roxane, ô ciel, à qui se fier désormais? Tu soupçonnais Zélis et tu avais pour Roxane une sécurité entière. Mais sa vertu farouche était une cruelle imposture. C'était le voile de sa perfidie. Je l'ai surprise dans les bras d'un jeune homme qui, dès qu'il s'est vu découvert, est venu sur moi. Il m'a donné deux coups de poignard. Les eunuques, accourus au bruit, l'ont entouré. Il s'est défendu longtemps, en a blessé plusieurs. Il voulait même rentrer dans la chambre pour mourir, disait-il, aux yeux de Roxane. Mais enfin, il a cédé au nombre, et il est tombé à nos pieds. Je ne sais si j'attendrai, sublime Seigneur, tes ordres sévères. Tu as mis ta vengeance en mes mains. Je ne dois pas la faire languir. Du sérail d'Ispahan, le 8 de la lune de Rebiab, 1, 1720.